Attends, quoi? Il est où mon personnage? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ah, je suis pas invisible là-dessus, là-dedans. Ah, ils ont, ils ont dressé des animaux pour m'attaquer. Ah, mais je l'ai pas vu lui. Ah, d'accord, ok. Où il va? Ils sont tous réunis, c'est cool. Merde, je me suis trompé. Ils sont tous... Ah, il y en a un là-bas. Ah, oh, putain, et puis il y a l'autre qui fait chier. Il y a l'autre qui fait chier. Eh merde, je vois rien. Il y a l'autre qui m'emmerde en plus. Il va pas me lâcher. Hein. Cette histoire de mercenaires qui essaient de te choper, c'est vraiment casse-couille. Hein. C'est vraiment une idée à la con. Et moi, ça m'emmerde. Est-ce que je peux le tuer? Est-ce qu'il me verra si... Ah bah tiens, il se casse. Est-ce que je suis assez fort? Non, je suis assez fort de rien du tout. Je vais être obligé de... Est-ce que ça me cache, ça? Ouais, ça me cache. Ah, mais l'autre, il se pointe, là. Il vient faire chier sa race, là. Il y en a marre de ces conneries. Ça me cache. Ah, l'autre, il se barre. Ils sont en train de dormir. Ils sont en train... Ils sont allés se coucher. Je sens que je vais me faire repérer là. Mais comment tu veux que je fasse, putain? Entre l'autre enculé qui est là et... Le mec qui se déplace. Voilà, pour le coup, Assassin's Creed Origins c'était bien mieux. J'en ai marre de ce mec là qui me colle au cul. Je pouvais me la jouer infiltration avec Assassin's Creed Origins sans être emmerdé par un connard. Lui, il m'emmerde. Déjà que c'est pas cool, c'est pas simple l'infiltration. Surtout qu'on a décidé de pas se faire repérer une seule fois. S'il faut qu'il y ait un PD qui vienne me faire chier là. Le chien est complètement con, c'est bien ça. Le chien est complètement con, mais je suis bloqué. Est-ce que si je vise le chien, je lui tire une petite flèche dans la tête, il va réagir? Si je m'éloigne, il va réagir. Je peux pas lancer un caillou ou... D'accord que si je le vise, il va mourir. Par contre, les chiens, ça c'est vraiment casse-couille. Il veut pas bouger cet enculé. Et merde. C'est bon, parfait. Bon, le chien ne m'a pas vu grâce au,
grâce aux hautes herbes magiques. Ah, les hautes herbes, qu'est-ce qu'on ferait pas sans eux? Qu'est-ce qu'on ferait pas sans les hautes herbes qui rendent invisibles? Les hautes herbes qui rendent invisibles. Qui rendent totalement invisibles. Ah, c'est des petites techniques de jeu. Est-ce que ça devrait changer? Waouh, peut-être, ouais. Peut-être, j'en sais rien. C'est pas un ennemi, ça. Non, c'est pas un ennemi. C'est pas un ennemi. Bon, l'autre, il est toujours là-bas, il bouge pas. Tant mieux. Bon, laisse tomber, je peux rien faire. C'est mort, je suis bloqué là. Enfin, je pourrais m'éloigner. Est-ce qu'il va pas me voir? C'est ça qui fait chier. Voilà, qu'est-ce qu'il fait lui? Ah, c'est bon. Il avance. Ah, peut-être que. Ouais, mais non, il y a l'autre en face là. Laisse béton. Ils entendent siffler, mais voilà, pour l'instant ils sont pas. Ouais. Avancez les mecs, avancez. N'ayez pas peur. Avancez. Ouais, ça me cache, si ça me cache. On le ramasse. Non, pas la torche. Pas la torche. Par contre, j'aime bien ce délire de pouvoir récupérer des corps. Comme ça, s'il y a un mec qui voit le... Moi, ça, j'aime bien ça. Il y a ça aussi dans Far Cry, je trouve ça cool. Parce que si le mec est... Il y a dans certains jeux, on peut pas récupérer les corps, et je trouve ça un peu con. Et voilà, c'est tout. Il n'y a plus qu'à attendre qui se pointe. Vivement que ma flèche se renforce, d'ailleurs, je me demande si... Ah ouais, non, mais j'ai récupéré une flèche, mais je peux pas... Je peux pas la porter. Je crois pas que je puisse la porter. Ah, si, je peux la porter, je me suis trompé. J'oublie à chaque fois que c'est avec le stick analogique. Je peux porter la flèche, elle est bien mieux. Ouais, on est d'accord, elle est bien mieux. Parfait. Peut-être qu'avec ça, je leur ferai plus mal. Bon, l'épée, je peux pas la prendre, par contre. Quoi? Hein? J'ai pas compris. Quoi? Pourquoi y a ça, là? Ah! Ouais, je peux pas encore la porter. Et en plus, c'est une hache. C'est une hache. Il faut avoir au niveau 4. Moi j'aime pas trop les haches. J'aime pas trop ça. Quoi que je dis ça, dans God of War il y avait une hache. Ouais, bah j'ai pas aimé le jeu. Non, je déconne. Non, je plaisante. J'étais pas. Et pas mauvais, mais bon. Voilà quoi. C'est clair que c'est pas mon GOTY de l'année, hein. Ça c'est clair. Mais il était loin d'être mauvais. Ça serait mentir. C'était pas un mauvais jeu, mais c'est pas mon préféré quoi. C'est pas mon préféré. Bon, et tu bouges ton cul ou... Ramène-toi, bordel. Il y en a qui se lèvent, là. Ah, il se déplace. Oh putain, il est derrière le...
vache. Bon, avec ma nouvelle flèche, est-ce que... mon nouvel arc, est-ce que je suis... Est-ce qu'il va être plus efficace? Est-ce qu'il va pouvoir défoncer des mecs? Faut pas que l'autre se déplace pendant que je vais peut-être défoncer ce mec. Ou alors je m'attaque à celui-là. Le problème c'est que je peux pas. Vas-y, fuck. Les flammes ramassées. Ah, je vais en avoir partout. Ah, je vais en avoir partout. Oh là là. Ça va. Bon, c'est un peu bizarre cette histoire avec les flammes. Hein. C'est un peu abusé. C'est un peu abusé. Ah, mais derrière, ça fait du bien de voir son personnage. Hein. Oh là là. Même si j'aime bien Far Cry. Non, je me suis encore gouré, c'est pas grave. Ça fait quand même bien plaisir de pouvoir voir son personnage. De pouvoir voir une étendue un peu plus autour de soi. Là. L'immersion ma bite, ouais. Je t'en foutrais de l'immersion. Là. TPS, y a rien de plus, y a rien de plus merdique au niveau de l'immersion. Alors moi, je déteste ça. Il est en train de faire dodo. Espérons qu'il se lève pas. Il est mort C'est moi qui l'ai tué. Je ferais mieux de rapporter du bois comme preuve. Mais cette vieille folle ne me croira pas. C'est un Assassin's Creed. Allez, fuck. C'est seulement pour la récompense. Allez, lève-toi. On va récupérer du bois et on se casse. Même pas je me bats avec lui. Hein. Récupère ce putain de bois. C'est bon. Bon, moi j'ai réussi à les avoir sans me faire repérer. Par contre, faut vraiment que je me débarrasse de ce mec. Hein. Il commence vraiment à me les briser. Quoi. J'en ai marre de ce mec. J'aurais que faire la quête principale. Au lieu de faire les quêtes secondaires. Parce que ça va permettre de m'améliorer un peu plus. D'avoir un peu plus de. L'expérience et peut-être de lui niquer sa race plus vite ou... Attends, je vais dire un truc. Cette histoire de... Ah, voilà, mercenaire. Comment je fais pour m'en débarrasser déjà? Je sais plus. Parce que lui, il arrête pas de m'emmerder. J'aimerais pouvoir... L'aventure commence à bénéficier davantage d'économies en atteignant des échelons plus élevés pour se faire éliminer des mercenaires de rang supérieur. Ouais. R2. Hein? Ah d'accord. Il va me suivre pendant des plombes. Ah non, mais j'ai envie qu'il arrête de me suivre. C'est plutôt le contraire. Bon allez, on y va. On va récupérer son bois. On va donner son bois à la gonzesse. On va lui expliquer qu'on a tué tous les mercenaires. Tous les brigands en mode infiltration. C'est comme ça que doit faire une femme, une faible femme. Elle doit se la jouer infiltration. Bon, un mec aussi pour être sincère, parce que bon, face à une tonne de mecs, bah, le mec il a beau être costaud, il fait pas long feu. Ou alors faut vraiment qu'il soit très 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 costaud. Sinon il fait pas long feu s'il se la joue pas infiltration. Une femme, j'en parle même pas. Ok.
Oh, voilà la mercenaire de Marcos. Oh, ne me dis pas que tu as fait ce que je t'ai demandé. J'ai trouvé les bandits et je les ai envoyés chez Hadès. Ton bois devrait bientôt arriver. Et tu penses que je vais croire la parole d'une mercenaire? Tu devrais te montrer plus confiante. Je ne m'attendais pas à ce que tu me crois. Alors j'ai apporté ça. Voilà ta preuve. Un peu de ce bois auquel tu tiens tant. Avec tout le mal que je me suis donné, tes arcs ont intérêt à être dignes d'Apollon. Par les dieux! Tu travailles vraiment pour Marcos? Il n'a jamais tenu une seule promesse. Je n'en reviens pas. On travaille ensemble, mais on ne se ressemble pas. Moi, je tiens parole. Alors prends ton paiement et ne donne rien à Marcos. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est affolée comme ça? En fait, ce jeu, il est digne d'un jeu de 2015. C'est-à-dire, il est digne d'un The Witcher. Il est aussi beau qu'un jeu de 2015, en fait. Par contre, au niveau de la maniabilité, c'est pas The Witcher. Ah, la façon dont je dirige l'héroïne, c'est nickel, quoi. Tu sens pas de lourdeur. Dans The Witcher, tu sens la lourdeur avec Geralt de Rive. Là, c'est facile à diriger. C'est super souple. Aucun souci. Et quand je m'arrête, voilà. Mais... je sais pas, s'il y a moins de... moi, c'est moins lourd. Avec Geralt de Rive, qu'est-ce que c'est galère. Enfin, la maniabilité, elle est pas super. Il manque quelque chose. C'est pour ça que ces enculés, c'est des Project Red, ils ont préféré faire un jeu à la première personne. Ça évite des complications. Ça leur facilite le taf, quoi. Pas d'animation à faire sur le personnage. Bref, ils se font pas trop chier, ces enculés. Non, c'est pour plus d'immersion. Mais prends-nous pour des cons. Prends-nous pour des cons. Ouais. Pour plus d'immersion, je t'en foutrais de plus d'immersion. Surtout pour faciliter la tâche, enfoiré. Voilà. Bande de bâtards. Putain, franchement ça me fout les boules. Des coups de pute comme ça, hein. J'arrive pas à comprendre comment il y a des mecs qui disent non, on veut que ça soit reste comme ça. On veut que de la première personne. Comment ça se fait que tous les gens veulent que de la première personne? C'est dingue ça, alors que finalement déjà la première personne, il y en a pas tant que ça et franchement c'est pas plus mal. Mais non, ces gens-là, ils veulent absolument de la jeu à la première personne. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils veulent pas que le jeu soit à la troisième personne. Enfin, ils veulent pas qu'on puisse choisir, quoi. C'est ça qui est dingue. Non, les mecs, comment on peut avoir cette mentalité d'enculé, quoi? Non, je veux pas choisir. On laissera pas les gens choisir. Non, ça sera uniquement la première personne, et c'est tout. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? De toute façon, c'est pas toi qui joueras. Si toi, t'as envie de jouer à la première personne, tant mieux. C'est dingue, ça. C'est quoi ces enculés, quoi? Je comprends pas ces gens-là. Ils veulent pas qu'on nous lèche le choix, hein. Ils veulent que ce soit uniquement la première personne et rien d'autre, quoi. Bien. Je comprendrai jamais ces putains d'enculés. Il y a des trucs que je comprends, même si en vérité ça me concerne pas trop. Par exemple, il y a des gens qui se sont plaints qu'il y a des microtransactions dans les jeux. Alors moi, ça me concerne pas, puisque j'achète jamais rien de ce genre dans les jeux. Donc ça me concerne pas, je suis pas tenté. Il y a des gens qui sont tentés par ça, mais je les comprends. Pareil aussi, il y a un autre truc qui me concerne pas, et je comprends que les joueurs se plaignent, mais ça me concerne pas. Par exemple, je crois que c'est pour jouer que PlayStation fasse en sorte qu'on puisse jouer en crossplay, c'est-à-dire qu'on puisse jouer avec des joueurs Microsoft. Et alors moi, ça me concerne pas parce que je joue pas en multi et je ne joue pas à des jeux multi, quoi. Je joue pas à Fortnite, à toutes ces merdes. Mais je peux comprendre que oui, c'est chiant de pas pouvoir jouer avec ses potes qui jouent sur notre console. Mais voilà, quoi, ça, le fait de se dire non, mec, on te laisse pas le choix et c'est comme ça, et nous on veut pas que tu aies le choix, là je comprends rien, quoi. Pourquoi tu veux pas que j'ai le choix, quoi? Pourquoi tu veux pas que je puisse choisir entre la... Et c'est pareil pour Red Dead Redemption. Pourquoi tu me laisses pas le choix de la langue, quoi? Qu'est-ce que ça peut te foutre que le jeu soit en français, puisque de toute façon tu joueras en anglais, toi? En quoi ça te concerne? Donc je comprends pas. Si t'as envie de jouer en anglais, tu joues en anglais, quoi. Enfin, c'est pas un problème, quoi. Donc c'est pas un problème. Et même ça, alors, bizarrement, pour... Enfin, non, c'est pas bizarre.
pour le jeu Kingdom Hearts, les gens réclament une VF. Mais c'est uniquement par nostalgie. Les gens ne pensent que par nostalgie. Moi, c'est pas par nostalgie que je veux la VF de Kingdom Hearts. Je veux la VF de Kingdom Hearts parce que... Je suis désolé, c'est un triple A, il faut une VF, quoi. C'est pas juste par nostalgie. Il y a des gens, ils veulent une VF pour Kingdom Hearts, mais juste par nostalgie. Juste parce qu'ils ont joué quand ils étaient petits et que... J'en ai marre de la nostalgie. Moi, c'est pas de la nostalgie, moi. J'emmerde la nostalgie. Moi, c'est vraiment... C'est-à-dire que s'ils auraient joué en japonais... C'est-à-dire, les gens, c'est vraiment des espèces de moutons. S'ils avaient joué à Kingdom Hearts en japonais ou en anglais... Bah, ils seraient... Et qu'on leur dirait que maintenant, Kingdom Hearts va être doublé en français, ils diraient, ah bah non, 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 ah non, pas d'accord. Bah, ils sont complètement cons, qu'est-ce que c'est... Enfin, c'est juste par nostalgie que les mecs veulent un Kingdom Hearts en français, quoi. Ça va pas plus loin, c'est complètement con de leur part, quoi. Qu'est-ce que ça peut te foutre que moi, je joue à la première à la troisième personne, si toi, t'as envie de jouer à la première personne? Moi, je dis pas que... Voilà, quoi. C'est un choix. On n'a plus le droit d'avoir le choix. C'est un truc de dingue. Moins t'as le choix, plus les gens sont contents. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Moins t'as de choix. Moins t'as le droit d'avoir du choix. Moins les gens sont... Voilà. Plus c'est restreint, plus le choix est restreint. Plus les gens sont... Voilà. Alors, évidemment, on va pas se le cacher. Hein. Tous ces connards en train de dire « Ouais, on préfère que Bioshock, que Red Dead Redemption soit en anglais. Ces jeux seraient en français, les mecs, ils auraient tout de suite... » Ils se seraient précipités sur la VF comme des morts de faim. Ils se seraient précipités sur la VF comme des morts de faim. Il y en a quasiment pas un seul qui aurait joué... quelques vidéos que je regarde de The Witcher, la plupart du temps, sont jouées. Les joueurs français, en tout cas, jouent en français à The Witcher, même à Assassin's Creed et à tous ces jeux-là. Ils jouent en français. Ils se disent pas, ah non, je vais jouer en anglais parce que la version anglaise est mieux. Ce qui est une connerie, parce que dans la version anglaise de Assassin's Creed ou de Assassin's Creed Odyssey, les mecs, ils ont un putain de... Les mecs se sont mis à parler avec un accent grec, ce qui est complètement con. Enfin bref, on y va. Comment c'était avec Marcos? Oh, comme toujours. Je n'ai pas eu mon argent. Et je me retrouve à lui rendre un autre service. Mais pourquoi tu te laisses faire par lui? Je lui suis redevable. Je ne me laisse pas faire. Ce n'est pas ça. Il me met seulement dans des situations dont je dois me sortir toute seule. Tu ne devrais peut-être pas le laisser faire ça. Merci pour le conseil. Oh, de rien. Que veux-tu, Phoebe? Tu connais Kaosos? Le village de l'autre côté de l'île? Pourquoi? Il y a des malades là-bas. Et aussi Kina, mon ami. C'est une fièvre sanguine. On dit que c'est une malédiction et qu'ils ont besoin d'une aide divine. Je te l'ai dit, je ne suis pas une déesse. Mais Icaros! C'est un oiseau. Ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire! Oh, calme-toi. D'accord. Je vais aller voir ça. Elle est pas médecin, hein. Parce que tu veux qu'elle fasse, elle va pas soigner les gens, elle peut pas les soigner les gens. Bon, y a beaucoup de témoins. Ah, te voilà. Est-ce qu'il est pas trop tôt? Je me suis occupé des bandits et j'ai récupéré le bois de la factrice d'Arc. Je n'en avais jamais douté, ma chère. Alors, ton plan? Oui, le Cyclope et moi avons une petite affaire de drachme à régler. Une affaire qui te concerne aussi, mon amie batailleuse. Et c'est à cause de toi si ça me concerne, mon ami. C'est vrai. Mais je te le jure, ce sera la dernière fois. Et s'il persiste à nous envoyer ses hommes, on fera en sorte qu'il ne puisse plus nous ennuyer. Cette querelle est grotesque. Je t'écoute. Ce n'est pas une guerre, c'est un concours de phallus. Pourquoi me rabaisses-tu sans cesse, Cassandra? Parce que tu le mérites, voilà tout. Réfléchis, à quoi le Cyclope tient-il le plus? Ses hommes? Ses terres? Ses navires? Non! Son œil en obsidienne. Viens-en au fait, Marcos. Très bien. On va le lui voler. Tu es fou? Tu lui empruntes des drachmes? Et tu veux lui voler son œil? Si on le lui prend, on gagne. Et ensuite, on le vend. Et nous faisons d'un œil deux coups.
Et s'il bouge, je lui ferai perdre les deux yeux. Non, non! Le Cyclope ne doit être au courant de rien. Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique, jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire. Alors, attends que la nuit tombe, faufile-toi et rapporte-moi cet œil. C'est pas une quête FedEx, ça, non? C'est une quête FedEx, ça. Combien vaut cet œil? Et où habite le Cyclope? J'espère qu'il vaut quelque chose. Tu connais le prix de l'obsidienne sur Kefalonia? Je n'en ai jamais vu. Mais c'est pour ça que c'est très cher. Et non seulement c'est de l'obsidienne, mais il contient de l'or. De l'or! Voilà pourquoi il le garde pour les grandes occasions. Donc on le vend pour pouvoir le rembourser? Hélas, pas totalement. Un vignoble, ça coûte très très cher. Je ne sais pas où habite le Cyclope. Reste sur la côte ouest de l'île. Tu trouveras son repère. Très bien. Mais ne t'avise pas de te montrer radin. Radin? Pourquoi tu dis ça, Cassandra? Parce que c'est la vérité. Apporte-moi l'œil et je te prouverai le contraire. Mais souviens-toi, personne ne doit te voir. Je sais. Si tu réussis, le Cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra. Ouais. C'est cool. C'est vrai que c'est ce genre de délire-là, ça donne un côté bien plus intéressant qu'avec Assassin's Creed Odyssey. Origin. Putain, sérieux, les jeux se ressemblent tellement que je confonds les deux noms, quoi. C'est vrai que ça, cette mise en scène, quand tu dialogues avec les personnages, c'est vrai que c'est stylé. Et il y avait aussi ça dans The Witcher. Quand tu discutais avec un personnage, t'avais du plongée contre plongée, n'importe quoi. T'avais, comment on appelle ça? Enfin voilà, là, t'avais le truc là, tu vois les deux personnages en train de discuter. Champ contre champ, je sais plus, un truc comme ça, ça c'est ça. Et c'est vraiment cool quoi, t'avais de la mise en scène quoi, t'avais pas le personnage en train de parler, puis tu tournes la caméra autour d'eux, puis ils font pas de mouvement, ils font rien. C'est vrai, ouais, ça donne un côté vraiment plus RPG au jeu, c'est vraiment stylé. Putain, il me fait chier, lui. Faut vraiment que je le tue, là. Que j'en débarrasse une bonne fois pour toutes. Je dois aller où, là? Ouais, trouver l'œil dans l'antre du Cyclope. Le Cyclope vit à je sais pas quoi, sa maison est à l'ouest de la vallée maudite de Pali. À l'ouest de la vallée maudite. À l'ouest de la vallée maudite. Donc, il est... Regard caverneux, d'accord. À l'ouest de la vallée maudite. Ok, tac tac tac. Bon, ça doit être par là, comme ça. Un truc comme ça doit être par ici. Si c'est la vallée maudite de Pali, peut-être par ici là. Bon, on verra bien. Le problème c'est qu'il y a lui là, j'aimerais bien m'en débarrasser. Tiens, inventaire. Je me suis encore gouré. C'est dingue ça. Super. Putain, ils lui ont fait des bras, mon gars. Entre The Last of Us, entre Horizon Zero Dawn. Waouh, les mecs. Je vois pas l'intérêt de faire des gonzesses si c'est pour qu'elles ressemblent à des mecs. Hein. Enfin, c'est un peu complètement con, mais bon. On fait des bras de titan, mon gars. C'est du n'importe quoi. Entre Lara Croft qui fait de la muscu et tout, c'est.
On attend la connerie ultime. Dans les jeux vidéo occidentaux, on attend la connerie ultime. Heureusement qu'il y a deux développeurs. Et encore, je dis ça, mais même Rockstar s'y met. Hein. Alors, Rockstar, c'est pas le personnage principal. C'est pas le personnage principal. Mais encore, j'ai envie de dire, Lara, elle est plus féminine que cette gonzesse. Ce qui la rend moins charismatique, tu me diras. Parce qu'elle, elle est quand même plus charismatique hein, que Lara Croft. Et puis, elle est mieux doublée. Mais en fait, c'est surtout son personnage qui est flingué. Lara Croft. Le personnage de Lara Croft est juste complètement con. En fait. Elle fait la meuf guerrière alors qu'elle est beaucoup trop innocente. Enfin, beaucoup trop innocente. Disons qu'elle a l'air un peu trop. Elle a l'air faible. Mentalement, elle a l'air faible. Même dans le dernier, hein, elle est pas. Mais au moins, le doublage est mieux. Au moins, ça, le doublage est mieux. Ça, doublage français, évidemment. De ce côté-là, ça va beaucoup mieux. Il n'y a pas photo de ce côté-là, ça va carrément mieux. Ce sera très simple pour toi. Tu te faufiles chez le cyclope et tu me rapportes son œil. Voilà, là c'est du The Witch. Là, c'est du Assassin's Creed Origin. Ce sera très simple pour toi. Tu te faufiles chez le cyclope et tu me rapportes son œil. Voilà. Ça, c'est de l'Assassin's Creed Origin. Ah, c'est clair que c'est moins kiffant que. Ah ouais, ça, c'est clair. Quand le personnage te. Reste à trouver cet œil. S'il est aussi précieux que le dit Marcos, il doit être caché. J'adore quand les personnages parlent tout seuls. Ça me fait penser à moi. Non, je déconne. Non, mais j'adore. Enfin, je veux dire, quand je déconne, je veux dire. Je veux dire, non, ça fait pas me penser à moi, même si je parle souvent tout seul, mais j'adore quand les personnages parlent tout seul, c'est vraiment génial. Quoi. Je trouve ça vraiment trop cool. Dans The Witcher 3, il le faisait souvent. Quand il enquêtait, il parlait tout seul et tout, c'est vraiment génial. Ils se mettent à enquêter, à réfléchir et tout. Je vais sauvegarder parce que j'ai peur de. Ouais, non, c'est ça. Attends, je rêve? C'est le mec, ça. C'est pas la fille, hein. Là, c'est la fille. Là, c'est le mec. Là, c'est qui? Là, c'est le mec. Là, c'est la fille. Ouais, là, c'est la fille. Là. Je sais pas, je vois pas bien. Ouais, je les confonds tous les deux. Je crois que c'est le mec, là. En plus, ce connard, elle a des longs cheveux. Donc, là, c'est le mec. Putain, on voit quasiment pas de différence quoi, entre le mec et la fille. Quoi, c'est chaud. Alors, là, c'est la fille. Là. Des fois, ils nous foutent la fille, puis des fois, ils nous foutent le mec. C'est bizarre. Bon, bref, on s'en fout. Fois, elle a pas. C'est chiant. J'aurais préféré encore une fois qu'on joue un personnage et qu'on joue pas un avatar. Qu'elle ait sa propre personnalité, sa propre histoire. Et voilà, c'est tout. Quoi. Qu'on se dise pas, ah bah non, bah. Ça, c'est un peu un bon point. Je veux dire, par exemple, Ellie. Hey, je te vois. Ah d'accord. Elle voit l'œil à travers les yeux de. À travers les yeux de Bidule, quoi. Je comprends plus rien là. Bon, allez, on s'en fout. Ouais? Ah bah c'est con ça. Moi, Ellie, tu sais que c'est elle qui est vraiment lesbienne. Voilà, c'est pas genre, c'est pas toi qui choisis si elle est lesbienne ou pas. C'est Ellie, le personnage qui est lesbienne. Là, dans Assassin's Creed, ben, c'est qu'un avatar quoi.
stationnaire. Non, stationnaire, s'il te plaît. Oula. J'ai intérêt à revenir vers la skin de Alexios, vers la skin féminine de Alexios. Là, il y en a plein, évidemment. Elle est où la skin féminine d'Alexios? Elle est là-bas. Je vais revenir vers Alexios avec un vagin. Voilà. Pour pas qu'il y ait de trop longtemps de chargement, parce que plus on s'éloigne de. Plus on s'éloigne de du personnage, plus. Quoi? Cet endroit sera en alerte. Ouais, mais t'inquiète, hein, je vais pas foncer comme un canard. Hein. Je suis pas. Merde. Je dois me cacher. Si je ne fais pas de bruit, les buissons feront l'affaire. Non. L'arc n'est pas encore assez bonne. Oui, mais j'ai déjà repéré les ennemis. Il y a encore des ennemis à repérer. Il y a encore des ennemis à repérer. Je les ai tous repérés, je crois. Malaga. Cet œil doit être vraiment spécial pour être aussi bien protégé. Il faut que je reste hors de vue. Qui peut siffler? Les effets de lumière sont superbes, sont magnifiques. Ah putain, il revient à l'autre, oh là là. Pas possible ça. Vraiment que je m'en débarrasse quoi. Il m'emmerde. C'est tout nouveau pour moi ces conneries là. S'il arrive à me repérer plutôt facilement. Merde, mais c'est pas vrai. Mais sérieux quoi. Mais tapez là, qu'on en finisse. Mais dépêchez-vous. C'est ça qui fait chier, tu te fais repérer trop vite là, t'as même pas le temps de... Ah bah là, on sait rien du tout comment elle fait. Ouais, je sais pas comment elle fait. Ah ouais, une petite dent le cul. Ah, je sais pas du tout comment elle fait. Hein. Ça me paraît bizarre tout ça. Ça m'énerve ça. Je veux dire, tu peux pas faire une seule erreur. T'es obligé, voilà, de faire cry. À un moment donné, tu te fais repérer. Mais le mec, il t'a pas tout à fait vu. T'as le temps de pouvoir. Là, mon gars, tu à peine. Même le mec, tac, il te voit, c'est fini quoi. Ça, c'est casse-couille quoi. T'as pas une marge d'erreur quoi. C'est bon, le mec, il t'a repéré, terminé, allez, salut, au revoir. Putain, ça peut arriver de faire une petite erreur, quoi. Chier, merde. Bon. Je vais tout recommencer à cause de ces conneries.
Puis je peux pas les avoir avec mon arc. Ça fait chier, putain. Ah non, j'ai plus d'arc. Mon arc est pas assez puissant. Bon, il a pu buter un chien, mais c'est tout, quoi. Pff, merde. J'aimerais bien me les faire avec l'arc aussi. Eh ! Il s'est fait tuer ! Il a perdu sa barre de vie ! Sa barre de vie, elle est descendue d'un coup ! Sa barre de vie, elle est descendue d'un coup, ce con ! Pourquoi il n'y a personne qui l'emmerde, lui ? Pas très immersif tout ça. Le mec, il est descendu, sa barre de vie a descendu d'un coup. Il a sauté, il a dû sauter comme un con et ça lui a bien fait descendre sa barre. Il y aurait quelqu'un là-bas. Allez, viens, dépêche-toi. En plus, il y en a une tonne. Va voir. N'essaie pas de faire quoi que ce soit. Merde, je vois rien. Merde. Putain, même s'il a, il a pu... Même s'il a plus beaucoup de... d'énergie, ça bat, ça... Son niveau descend tout doucement. Putain d'arbre de merde. Attends, je peux pas changer de... Je vais essayer de voir si je peux pas avoir une arme plus puissante là pour lui défoncer sa race. Parce que là, je veux pas aller loin avec cette arme, ça lui fait que dalle. Hein? Ah, l'arme que j'ai est plus puissante. Ah d'accord. D'accord, bon bah laisse tomber. Tu ne peux pas gagner, tu le sais. C'est qui parle? C'est la fille. Tu ne peux pas gagner, tu le sais. C'est bon. C'est elle qui parle. Elle a changé de voix ou quoi? Invitation à la reine, guerrier, guerrière, la reine de 1 est la plus mon disputée. Visage est le dernier, tu verras. Du monde grec dernier, héros de la reine en vie. Je cherche les meilleurs combattants souhaitant l'affronter pour l'honneur et le plaisir et l'argent.
Ta réputation te précède et peu de combattants ont tué de manière aussi prolifique et poétique que toi. Si l'offre t'intéresse, viens me voir à la pointe des pirates. Mon visage est le dernier, tu verras. Le maître continue à parler alors qu'il est mort. Hein. Viens me voir à la pointe des pirates, on rencontre mon associé au repos des guerriers de Beka, Swak, héros de l'arène, je sais pas. Hein? Ah non, c'est pas lui qui parlait. Ah non, il y a un autre mec qui... Je savais qu'on en arriverait là. Ah, je me suis fait repérer, je crois. Je vais me barrer, tout simplement. Tu aurais dû refuser ce contrat. Bon, j'espère qu'on va arrêter de me casser les couilles maintenant que le plus connard est mort. Par contre, il y a un mec là, il m'a repéré. Comme par hasard, il n'y a pas de hautes herbes. Viens, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Certainement un oiseau. Ouais, vas-y, sois sûr. Quoi? Il est où, le chien? Petite flèche entre les deux yeux. Voilà, terminé. On n'en parle plus. Je vais même arracher une dent, putain. Ah non, une griffe. Je vais arracher une griffe. On va lui arracher une griffe. Voilà. On n'en parle plus de l'autre. Mais franchement, le mec s'est tué tout seul, hein, en fait. Hein. Je sais pas, il a sauté quelque part et ça lui a baissé sa barre de vie. Je devrais sauvegarder. Mais est-ce que je peux? Ouais, je peux. Moi, je vais sauvegarder. Là. Ce con, il a sauté... Il a sauté, il s'est tué ce con. C'était trop spécial. Bon, évidemment, je peux pas récupérer ce que je vais choper. Et vu qu'on affronte quasiment que des hommes, donc forcément, l'armure que je récupère, c'est des trucs d'hommes. Hein. Enfin, on affronte que des hommes. On affronte pas que... Bon, y a des femmes aussi, mais bon... Voilà, histoire de parité. J'ai vraiment hâte de jouer à Resident Evil 4. Hein. Resident Evil... Et voir Claire se faire défoncer comme une merde, c'était vraiment jouissif. Ah, point d'interrogation. N'empêche, elle a quand même beaucoup plus de charisme que... Même Claire a l'air d'avoir beaucoup plus de charisme que Lara Croft. Enfin, tout le monde a plus de charisme que Lara Croft. C'est pas très compliqué. Attends, il est de dos, putain, voilà, j'y vois rien. Ah, il est de dos. Ah, mais là, j'y vois rien non plus. Si on me voit ici, j'aurai des ennuis. Non, c'est pas bon, putain. C'est pas bon, attends, il est de dos. Ah, il y a un mec qui vient, putain. Je sais pas ce qu'il cherche, le mec. Il est où? Ah, merde. Il s'est barré. Fait chier, putain. Bon, bah, casse-toi, là. J'ai pas leur champ de vision, comme dans Metal Gear Solid. T'es bien celui de le 1, t'as les champs de vision des personnages. Mais bon, c'est un peu... maintenant, j'avoue, je pourrais plus jouer à Metal Gear Solid maintenant. Même si j'ai adoré, c'est mon premier jeu avec un scénario. Disposer de moins de points, de... Je sais pas quoi. D'au moins un point, je sais pas quoi.
J'ai tâté des jeux d'infiltration bien plus impressionnants que Metal Gear Solid 1. Évidemment, donc. Ça va de soi que j'ai plus trop envie de jouer à Metal Gear Solid. Même si c'était un excellent jeu à l'époque. C'était le meilleur jeu de la PlayStation. Hein. C'est pas plus compliqué. C'était le must. C'était le meilleur jeu de la PlayStation. Il n'y avait pas mieux que ce Metal Gear Solid. Il n'y avait pas mieux que Metal Gear Solid, c'était le best de best. En plus, on avait un doublage français. Alors, il était pas super, mais bon. C'était les débuts. Hein. Puis, de toute façon, même les jeux vidéo pour enfants, avec le doublage français des jeux vidéo pour enfants, était pas super. Même en anglais, Resident Evil 1 avait un très mauvais doublage anglais. Le mec qui va me sortir Resident Evil 4, le doublage anglais de Resident Evil 4, il est trop génial. Eh ben, c'est un putain de menteur. Alors, normalement, même... Mais putain, je peux pas les tuer d'un coup. Bon allez, on siffle. Hein ? Pas plus prudent d'aller voir. Allez, siffle. Ah, vite, faut l'éloigner. Ah tiens, c'est quoi ça ? Enfin, c'est un vautour, mais... Mais voilà, c'est tout. C'est un vautour. Ah, c'est bon ça. Ah, la statue elle est classe. Bon, par contre pour l'instant j'ai toujours l'impression d'être dans un Mafia 2. Hein. Dans un Mafia 3, pardon. C'est bon, il s'éloigne. Oh oh, lui il est niveau 4. Putain, pourquoi tu me fous dans un truc où il y a des personnages de niveau 4? Are you seriously? Putain, sérieux. Moi je suis pas niveau 4, je suis niveau 3. Putain, je pourrais pas le tuer d'un coup celui-là. Oh, c'est emmerdant. Allez, casse-toi. C'est un peu de la merde quand même. Hein. D'accord, super. Merde. Ah, j'ai récupéré. Voilà. J'ai récupéré directement dès que je suis. Ouais, je l'ai récupéré directement. Oh là là, regarde-moi ça. Oh là 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 là. Ah, c'est horrible. Je lui mets ça, mon gars, elle aura l'air d'un daron, quoi. C'est énervant. Elle aura l'air d'un fucking daron. Chier ces putains de féministes. Est-ce que je peux le tuer d'un coup celui-là? Tiens, qu'est-ce qui lui arrive? Oh, c'est pas mal ces petites animations là. Oh non, mais il y en a encore un autre, putain! Attends. Ah mais je suis niveau 4. Oh, c'est pour ça qu'ils sont... Ils s'adaptent à moi. Dès que je passe niveau 4, ils passent niveau 4 aussi. Je comprends pas.
mec il est malade. Attends, j'ai rien fait. Je vais le laisser passer l'autre. Attends, on dirait qu'il y en a un qui vient. Bon, les fuck. Mais qui fait ce bruit ? Il a plus l'air trop malade. Il arrive. Ah non, il arrive pas. Si, il arrive. Son pote, il est où ? Il est plus bas. Ouais, non, mais c'est bon, ça va. Ah, je confonds avec Far Cry, je reste appuyé alors qu'il faut pas rester appuyé. Faut appuyer une fois sur le triangle. Et moi j'étais trop l'impression d'être dans Far Cry, donc je reste appuyé comme un con. On va le laisser là. Merde, mais vite, va te cacher vite. Bon, ben, je vais encore siffler. Hein. C'est une gonzesse maintenant. j'ai pas fait la. Quoi ? Bon, ouais, on s'en fout, je les tue tous là, mais bon. Voilà. Maintenant, c'est une gonzesse. Je fais pas la différence, hein. Oui, les hommes et les femmes, y a pas de différence. Bah si. On va demander aux transsexuels. Tu vas voir qu'il y a une différence. C'est pour ça qu'ils se font chier à passer des opérations, à changer leur truc, bah parce qu'il y a une différence justement. Sinon ils feraient pas tout ça. S'il n'y avait pas de différence, mais ils resteraient pareil. Putain d'enculé de merde. Je vous emmerde bien comme il faut. Voilà. Non, s'il te plaît. Ouais. Mais non. Moi quand je tue un animal, c'est pour récupérer quelque chose, pas pour ne rien récupérer. Un jour je m'y remettrai là, sérieusement. Surtout que Mafia 3 il est excellent. Enfin, je crois. Ah putain, c'est pauvre. Peu de féminité qui lui reste va complètement disparaître avec cette tenue. Nom de Dieu. Ah, je veux bien que ça soit des jeux qui sont pas à ton goût, que ça soit pas assez puissant, que ça aille pas assez loin. Mais de là à dire que les jeux Ubisoft sont mauvais, c'est de la merde ou je sais pas quoi, là ça va un peu loin quoi dans la connerie quoi. Les jeux Ubisoft sont pas mauvais quoi. Ils sont loin d'être mauvais. Oh, je suis dégoûté. Et voilà. Super. Génial. Oh là là. Avec ses bras de bûcheron. Avec son visage qui est féminin. C'est ridicule. Enfin bref. Y'a un mec. C'est dommage, faut pas se coller contre les murs et regarder. En vert, tu pourrais regarder. Tu pourrais pousser ta tête comme ça, pencher ta tête pour voir. En vert, tu peux le faire. Sauf que les mecs veulent pas s'attarder sur la VR parce que oh, c'est trop dur. Et puis les gens ils achètent pas. Bah oui, connard, ces gens.
Si t'insistes pas sur la VR, ça veut dire que les gens vont pas acheter quand même. Faut insister. Et si tu veux pas insister, tu veux faire ton petit PD. Ouais. Faut insister sur la VR. Les gens ils vont pas acheter, les gens sont cons. Hein. Ils achèteront pas par eux-mêmes si t'insistes pas. Faut les obliger. C'est pas eux qui décident. C'est pas les gens qui décident. Faut les obliger à un moment donné, ils vont voir que ça déchire et qu'ils n'ont pas de choix de toute façon. Si les développeurs veulent pas s'y mettre aussi, veulent pas y mettre un peu du leur, et ben voilà. Alors il y a un chien là. Le truc que je veux, il est là. J'ai pas besoin de tuer tous les gardes. Ouais, d'accord, ouais. J'ai pas besoin de tuer tous les gardes, mais... Est-ce que je peux... Si je grimpe, ils ne verront pas. D'accord. Elle peut pas s'accrocher partout où elle veut. C'est pas... On n'est pas dans Zelda Breath of the Wild, hein. Faut se calmer. Aussi con que Zelda Breath of the Wild, il y a des limites. Surtout que ça ressemble, c'est pas du tout un jeu qui ressemble à du Zelda Breath of the Wild. Quoi? Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. Parce que c'est bon, je l'ai déposé tout doucement. Attaque. Oh c'est beau, oh c'est beau, oh c'est tellement beau. Bon le chien on va pas s'en occuper, on va directement aller chercher. De toute façon on dirait que je vois plus personne. Non, les jeux Ubisoft sont... C'est vraiment pas des mauvais jeux, c'est juste que voilà quoi. C'est juste que. Ils ont. Le seul jeu qui sera ambitieux niveau narration, enfin j'espère en tout cas, c'est vraiment BGE2 quoi. C'est le Red Dead Redemption d'Ubisoft. C'est BGE2. Mais sinon, j'avoue, les autres jeux. Mais en fait, c'est pas très grave, c'est pas grave en fait. Je comprends un petit peu Ubisoft. Ils peuvent pas se permettre de faire des jeux. Qui suivent scénaristiquement, c'est compréhensible. Hein. Putain, j'arriverai jamais à avoir le chien comme ça, quoi. Il est où ce putain de chien? En fait, j'ai quand même envie de le tuer, le chien. Je crois que ça me mènera à ma perte. Puis, il y a plein de trucs à récupérer en plus. Donation d'équipement inutilisé. Vous transportez l'équipement et des objets, démantelez, vous récupérez des matériaux, démantelez. C'est je comprends, Ubisoft peut pas se permettre de faire des gros jeux, mais là je pense que... Enfin pour l'instant de ce qu'on a vu, c'est pas ragoûtant, ça donne pas envie. À part nous montrer des cinématiques en CGI magnifiques, mais j'ai envie de te dire, on s'en bat un peu les couilles. Tout simplement parce que ce sont des CGI magnifiques, donc on s'en bat les couilles. Alors c'est très beau, mais c'est des CGI quoi, donc... C'est de la CGI. C'est pas le jeu. Quand tu vois le jeu tourner, tu fais ah ouais quand même, c'est ça. Ah oh, mais il est dans sa cage. Et en plus c'est même pas. Oh, on s'en bat les couilles, il est dans sa cage. Ouais, on s'en fout. Ah, ils aiment bien mettre des animaux en cage dans les jeux Ubisoft. Hein. Dès qu'ils ont l'occasion de mettre un animal en cage, ils le mettent en cage. Enfin, voilà quoi. C'est délire de mettre les animaux en cage, ça les adore. Ah d'accord. Bon. Ouais, bâton griffe. Bon bah je crois que c'est terminé. J'ai plus qu'à aller récupérer l'œil de Bidule. On va récupérer tout un tas de trucs.
Encore une fois, ces jeux-là, je m'en lasse très vite. Hein. Ce sont des excellents jeux, c'est juste que moi qui me lasse. Ah, je suis pas au niveau. Donc, normalement, j'en ai marre. Et... puis j'avance plus dans le jeu. Parce qu'ils sont trop longs. Et il se passe pas grand-chose. De très bouleversant. Ça va pas nous retourner le cerveau. C'est même pas sûr de retourner le cerveau, des trucs un peu... nous bousculer, quoi. Des trucs qui secouent un petit peu, tu te dis « Ah ouais, merde !» En général, j'aime bien quand les personnages se retrouvent dans la merde, quoi. Ils ont fait une connerie, en général, ils se retrouvent dans la merde. Alors, faut pas non plus qu'ils en abusent trop, parce que... au bout d'un moment, t'as envie de te dire, le mec, il est sadomaso, il aime se foutre dans la merde, comme la série TikTok, où les mecs, ils adorent se foutre dans la merde, et ça devient un peu lassant. Mais un truc où tu sens que le mec, il s'est foutu dans la merde, mais voilà, quoi, on sent que... c'est pas ce qu'il voulait faire. Là, dans un jeu vidéo, en général, on joue un personnage et... bon, le mec est fort, ou la fille est forte, et donc... voilà. Et ils sont forcément gentils. Enfin, gentils ou pas. De toute façon, même s'ils sont pas gentils, ça change rien. Ça reste eux les héros, comme dans Mass Effect. Je veux dire, tu peux jouer un personnage qui est pas gentil. Je veux dire, ça changera rien pour lui, quoi. Je veux dire, il finira sa mission, il finira sa quête, et puis il crèvera s'il est vraiment trop méchant, quoi. Mais voilà, quoi. Enfin, ça... tu ressens pas le mec qui est en chien, quoi, qui flippe. Il se dit, merde, j'ai fait une connerie, je suis dans la merde, faut que je m'en sorte, et qui est en galère, quoi, et qui essaie... non, le mec, il sera méchant jusqu'au bout, et puis il mourra, et puis il s'en battra les couilles. Enfin, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de mec qui panique, qui a peur, ou un truc comme ça. J'aimerais un jeu vidéo où t'es plus ce genre de truc. Un peu plus d'émotion, un peu plus de... un côté un peu plus humain. Je veux dire, en général, quand tu joues à un jeu vidéo, le héros, il est pas humain, quoi. Il est surhumain. Bon, allez. Bon, bah, on passe par là. Point d'altitude, vous disposez d'au moins un point... ouais, d'accord. Attends, il y a encore des trucs que je vais pas récupérer. J'ai l'impression d'être dans Resident Evil. Sauf qu'on voit pas de... on voit rien. Voilà. Moi, j'ai tué tous les ennemis de toute façon. Arrête-toi, d'accord ? Bon bah j'ai pas tué tous les ennemis. En plus, ce qui est bien dans Far Cry, c'est que dès que t'as tué tous les ennemis, tu reçois un point de... tu reçois un truc qui te précise que t'as bien fait en sorte que tu ne t'es pas fait voir une seule fois, quoi. Et ça, c'est cool. Alors que là, je pense que non. Je pense qu'on s'en bat les couilles, quoi. Tu te fais voir, tu te fais pas voir. On s'en bat la race, quoi. Bon, là, c'est bon, je crois qu'il n'y a plus personne. Par Zeus, le cyclope ne plaisante pas. Putain, les bras qu'il y a là, c'est abusé, quoi, les mecs. Mais calmez-vous, les mecs, quoi. Oh là là. Oh putain, qu'est-ce que c'est beau. Les effets de lumière, la colo, quoi. J'aime bien les jeux avec beaucoup de couleurs. Chatoyant, c'est magnifique, quoi. Ça met pas une claque comme Horizon Zero Dawn, comme je l'ai déjà dit, mais ça met une petite claque quand même, hein. Waouh. Je regarde vraiment pas mon achat, hein. Puis bon... on va pas se le cacher, les jeux Ubisoft, c'est peut-être pas des jeux révolutionnaires ou... j'ai pas envie de dire révolutionnaire, ça me casse les couilles de dire ça. Le seul jeu qui était révolutionnaire, c'était Mario 64. Après, tous les autres jeux, il y en a aucun qui a été révolutionnaire. Allez, peut-être maximum, et c'était pas vraiment une révolution, Resident Evil 4. Mais c'est tout, à part ça, c'était pas vraiment révolutionnaire Resident Evil 4, mais c'était... il y a eu un avant et un après Resident Evil 4. Ça, ok.
Évidemment, il y a eu un avant et un après Mario 64, hein, ça par contre, ça c'est clair. Mais Mario 64 était vraiment révolutionnaire. Pas seulement au niveau de la façon de jouer, mais aussi de la face, au niveau de la manette, le stick analogique. Je crois que c'est. Voilà, c'est vraiment celui qui a démocratisé le stick analogique, quoi. C'est Mario 64. Alors peut-être qu'il y en avait d'autres, mais non, non, c'est la N64 qui avait le stick analogique. Avant, il n'y en avait pas de stick analogique sur les consoles. Je parle des consoles, évidemment. Enfin, pas des PC, ça j'en sais rien, moi. Mais sur les consoles, c'est sur N64 qu'il y avait le stick analogique. Pour la première fois. Donc, non, c'était une révolution. Mario 64 était la révolution, ça je ne veux pas le nier. Même si je déteste Nintendo, je peux pas, je ne peux que le... l'accepter, entre guillemets, que Mario 64 était le jeu révolutionnaire, quoi. C'était un putain de jeu révolutionnaire. Maintenant, à part Mario 64, franchement, il y en a peu. Il y en a qui ont bousculé certains codes, bousculé certains trucs. Maintenant, de là à dire qu'ils étaient révolutionnaires, bon, c'est peut-être un bien grand mot, quoi. Faut peut-être pas exagérer, quoi. Pas m'être fait repérer. Comment ça se passe quand on se fait repérer? Bon là tu peux te permettre de voler plus que dans The Witcher. Dans The Witcher franchement tu peux pas voler comme ça. Hein. Voilà oui, là je vais vous faire repérer. Hein. Bon allez, c'est partout. Hey, attention! Tu sais combien il y avait de gardes là-bas? Tout ça pour une saleté de cailloux. Ce caillou vaut autant qu'une maison, ma chère. Oui, mais pas assez pour rembourser le cyclope. Oh, ne sois pas comme ça. On s'est bien amusé, non? Comment ça, on s'est bien amusé? Ça ne couvre pas notre dette. Comment ça, on s'est bien amusé? Qu'est-ce qu'il raconte, là? On s'est pas amusé. T'étais pas là, toi, qu'est-ce que tu racontes, là? Le cyclope va nous tuer, Marcos. Mets-toi bien ça en tête. Et ça n'a rien d'amusant. Ça va marcher, je t'assure. Pourquoi je te mentirais? Tu veux vraiment une réponse? Prends l'œil, mais ne le vends pas. Aucun acheteur ne croira que nous l'avons eu de manière licite. Tout le monde sait à qui il appartient. D'accord. Plutôt ta poche que ses paupières. Ça suffira pour aujourd'hui. Quere, Marcos. Attends! J'ai vu un bateau. Je ne le connais pas. Et ? Il est trop beau pour ce trou perdu. C'est sûrement le cyclope. Et il a ramené des amis. Il est de retour ? On peut dire que le sort s'acharne sur moi. Élimine-les ! Ça nous fera un souci de moins. Et d'ailleurs, ces étrangers doivent être riches comme Crésus. Le cyclope les paie bien. Tout le monde va y gagner. Tu verras. Pourquoi pas ? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Toi? Oh, mais tu ne perds jamais, voyons! Bon, où est-ce qu'ils sont? Dans une maison abandonnée de la côte Est. Qui sait quel trésor ils ont dans leur repère? Envoie-les chez Hadès et emporte tout ce qu'il y a! Nous serons riches! La côte Est? Tu ne pourrais pas être un peu plus précis? Je crois qu'ils sont dans une maison abandonnée, près d'un petit bois, au sud de Samy. Mais si ces visiteurs ne sont pas de Kefalonia, d'où viennent-ils? Ce n'est pas important. Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont mourir ici. Bon, je garde un peu de ces trésors pour moi. C'est ça ou rien? Pas une seule drachme pour celui qui t'a renseigné? Le reste servira à payer ta dette. Nous sommes d'accord? Oui, oui, d'accord. Maintenant, va apprendre à ces étrangers la devise de Kefalonia. Tuer ou être tué. Ouais, clairement, elle a beaucoup plus de charisme. Mais si elle a beaucoup plus de charisme, c'est peut-être parce que justement.
Mentalement, elle ressemble à un homme. C'est peut-être ça qui lui donne beaucoup plus de charisme. Alors que Lara, bah, mentalement, c'est une gonzesse, quoi. Enfin, je parle de la nouvelle Lara, hein, pas de l'ancienne. Bon, l'ancienne aussi, mais elle était un peu plus stylée, quoi. Alors que... Allez, s'il te plaît. Allez, fuck. Ah bah, ça l'a tué. Ah, ça l'a tué, quand même. Même si ça a pas récupéré... Ça l'a pas... La barre était pas complètement rouge, ça l'a tué, quand même. Cool. Allez, ouais. Elle a quand même beaucoup plus de charisme. Ça, y a pas photo. Ça lui donne beaucoup plus... Le fait d'agir, entre guillemets, comme un homme, ça lui donne beaucoup plus de charisme et beaucoup plus de crédibilité dans ses actes. Alors que Lara Croft, ça lui donne pas beaucoup de crédibilité. Ça flingue toute sa crédibilité, quoi. Pareil pour Ellie, hein. Le fait d'agir comme un garçon manqué avec Ellie, ça lui donne aussi beaucoup plus de crédibilité. Je dirais pas dans sa résistance, évidemment, non, mais dans sa façon d'agir, on va dire. Ça lui donne beaucoup plus de crédibilité. Et tu dis, ok, cette meuf, elle défonce des types, elle les insulte et tout. Ok, y a pas de souci, ça te donne des crédibilités. C'est pas crédible le fait qu'elle encaisse, mais ça donne la crédibilité, le fait qu'elle se défende et tout, ça lui donne beaucoup plus de crédibilité. Et ben cette meuf, c'est pareil. C'est avant tout parce que c'est l'aventure d'Alexios et pas de Cassandra, quoi. Alors on peut me dire, oui, mais des meufs comme ça existe, un peu garçon manqué ou un peu voilà comme ça. Ouais, je dis pas que ça existe pas, mais le problème c'est qu'il y a le facteur Alexios, c'est ça le souci. Il y a le facteur Alexios et on a pu constater, tu peux être une gonzesse juste comme il faut, bien travaillée. Point d'altitude, vous disposez d'aptitude. Tu peux être une meuf juste comme il faut, féminine juste comme il faut, sans tomber dans le gnan-gnan de Lara Croft. Tu peux bien doubler aussi et être forte, enfin maligne ou je sais pas quoi, comme la meuf de... Comme la meuf dans... Merde, c'est un fils de pute. Comme la meuf dans Assassin's Creed Syndicate. Faut vraiment que je rejoue à Syndicate. Hein. C'est vraiment le meilleur personnage, c'est l'un des meilleurs personnages féminins que j'ai pu tâter. C'est dans Syndicate. Franchement, il n'y a pas photo. Elle est ni trop masculine et elle est pas gnangnan comme Lara Croft. Elle est juste comme il faut, quoi. Voilà. Elle est ni trop masculine comme Ellie dans The Last of Us. Voilà, mais elle est pas non plus bidon comme Lara Croft, quoi. Elle est vraiment nickel. Ce personnage de Evie Fry est vraiment nickel. Putain, les panoramas, c'est putain de magnifique. C'est clair que ça va pas valoir graphiquement un... Quoi que je dis ça, mais je sais pas. Un Red Dead Redemption, même si on l'a été, j'en sais rien. Mais par contre, ses pieds s'enfoncent sur le sol, c'est chaud quand même. Pas trop quand les pieds s'enfoncent sur le sol comme ça. Je crois que dans GTA... Je crois que dans GTA, les pieds ne s'enfoncent jamais dans le sol. Ou quasiment pas. Bon, ça, c'est pas un jeu excellent pour autant. Enfin, c'est pas mon jeu préféré, GTA V. Mais je crois que dans GTA... Oh là 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 là, putain, regarde-moi ça, quoi. Il y a des gens qui se branlent sur du Zelda, quoi. Mais c'est pathétique. C'est juste dingue, quoi. Oh, merde, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Bon, les montagnes, elles sont un peu... Alors, je dis ça, elles sont un peu, mais pourtant, on pourra y aller, hein. Et la caméra qui se rapproche. Là, je dis les montagnes, elles sont un peu moyennes. C'est un peu les montagnes que j'ai vues dans le jeu. Elle est bien modélisée, quand même. Elle est pas mal. C'est pas mal du tout, quand même. C'est même très bien. Oh, les mains, par contre. Oh là là, les mains qu'elle se tape, c'est un truc de ouf, quoi. Ses mains sont immenses. Mes mains sont aussi longues que mon pénis. Putain, c'est abusé. Alors, évidemment, les textures, quand tu te rapproches, elles sont pas aussi nettes qu'un Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn, évidemment,
Faudra vraiment que je finisse, que je termine ces putains de jeux, une bonne fois pour toutes. Bon. Maintenant que le mercenaire n'est plus à mes trousses, je l'ai tué, mais vraiment parce que le con, c'est juste... Oh, il boude. Oh, il boude. Il est pas content, il boude. Lol. T'as, en plus, tu t'es fait battre par une meuf. Bon, d'accord, elle est costaud, mais elle est toute petite, quoi. Oh, t'es un grand dadais, tes bras sont bien plus... Même plus mastoc qu'elle, et tu t'es fait défoncer. Non, mais... Je plaisante. Là, le mec, il s'est fait défoncer. Je sais pas comment il a fait. Ce con s'est fait défoncer, je sais pas comment il a fait. Ah, des nouvelles... Oh! Ils ont soif de cruauté. Les dirigeants de la reine de... Oh, pff, on bat les couilles. Lorsque le mal s'est répandu à Kossos, beaucoup y ont succombé. Ah oui. Ouais. Mais non. Je veux faire la quête que je devais faire. Infidèle, voilà. Infidèle pensait blablabla. Mais avant ça, je vais m'arrêter et je vais aller bouffer.